Hello. Bonjour tout le monde. J'ai ouvert le live pour l'instant, là, c'est pour attendre voir s'il y a des gens qui veulent se joindre. Je vous attends, on va commencer dans 2 petites minutes. Pendant ce temps-là, je vais juste voir s'il y a du monde qui sont là, qui vont s'ajouter. Pendant ce temps-là, ben je vais regarder qui pourrait venir se joindre, comme cela. Voilà. C'est déjà. Oh! Il y a 4 personnes qui regardent! Allô? On va commencer bientôt. Attendez un petit peu, OK? Regardez, juste pour vous donner un petit avant-goût, là, je vais juste quand même faire un petit warm-up facile. OK, hop là, est-ce que ça peut revenir? OK, c'est revenu, c'est bon! Ah ouais, OK. Ouais. Ça, c'est des trucs qu'on aime bien faire, se disloquer les épaules, entre autres. Je vais juste regarder un petit truc, m'assurer que mon. Bonjour, bonjour Louise, salut, salut. Ah, ben, contente que vous soyez là, c'est super. Ça va bientôt commencer, inquiétez-vous pas, on va attendre un petit peu. Puis après ça, on parle de la performance, je vais présenter un petit peu qui je suis, etc. On va attendre encore un petit 30 secondes. J'ai pas attendu, là, je vous donne un petit avant-goût de ce qui va se passer, là, parce que ça fait un petit bout que j'étais assise, là. Okay. Ok, bon, ok. Yep. Ok. All right, bon, c'est un avant-goût, ok. Alors, bon. Excellent. Donc, il est 4 heures. Super, bon, on part ça, cette histoire-là. Alors, salut tout le monde. Moi, je m'appelle Coralie Robert, j'ai 24 ans. Je réside présentement à Laval et je viens de Laval aussi. Je suis née dans cette ville et je suis ben dans le fond moi je suis contorsionniste. Je fais ça depuis que j'ai l'âge. Bonjour. Je fais ça depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Principalement j'étais autodidacte quand j'ai commencé, un petit peu dangereux, mais j'avais envie de travailler dans le domaine du cirque à cet âge-là. Puis je vous dirais de 10 ans jusqu'à 14 ans, j'étais pas mal autodidacte. À 14 ans, j'ai trouvé un entraîneur privé qui allait pouvoir me suivre au moins une fois semaine pour faire ça, parce que c'est quand même un peu dangereux de faire ça toute seule à la maison. Donc, par la suite, évidemment, j'ai appliqué pour des écoles de cirque. J'ai intégré le programme de DEC de l'école de cirque de Québec à l'âge de 18 ans. Puis pendant mon secondaire aussi, j'ai participé à des concours comme secondaire en spectacle beaucoup. Puis quand j'ai fait mon DEC en anti-cirque, entre-temps, j'ai participé à la finale nationale de Cégep en spectacle et j'ai remporté la deuxième position en 2017. Sinon, ben, j'ai gradué il n'y a pas très longtemps, c'était en 2018. Puis en sortant de l'école, bon, ça a pris un peu de temps avant que je commence à décrocher des emplois. Mais j'ai travaillé très souvent à mon compte, sinon c'est des compagnies d'événementiel qui m'engageaient. Puis l'été dernier, j'ai eu la chance de travailler dans des parcs d'attractions comme Canada's Wonderland et Cedar Point aux États-Unis, avec les productions au vol. Alors voilà, c'est un peu ce qui résume mon parcours. Sinon, ce que vous allez voir, ben évidemment, je me suis fait approcher par Signé Laval, ça c'est vraiment gentil. Je les remercie d'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Puis on va faire un live dans le fond. Je vais vous présenter des mouvements techniques de contorsion, puis la recherche que je fais avec 4 bottes à talons hauts, ainsi que un cube que j'ai derrière moi. Sinon, ce que je voulais dire, la séance, la performance en tant que telle va durer jusqu'à 4h25 environ. Mais ensuite, il y a une période de questions. Fait que si vous avez des questions à propos de la contorsion, ce que je fais, c'est quoi qui se passe un peu dans ma tête, n'hésitez pas, c'est le temps, je suis là pour vous. OK? Donc, on ne se gêne pas. Je vais pouvoir y répondre. Évidemment, je regarde les commentaires de votre côté. Pour ceux qui se demandent, bon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer par des séquences de contorsion au sol, tout simplement, donc contorsion brute sans appareil, etc. Ensuite, on va passer à l'exploration avec les quatre talons pour finir avec le cube. Ceux qui se demandent pourquoi les talons, ben, je vais vous dire, c'est parce que j'ai un personnage dans la tête, puis je me disais, ah, il me semble que ce serait cool d'intégrer une façon bizarre de se déplacer, puis des éléments de costume un peu bizarres. Il y a d'ailleurs des gens qui m'ont encouragé à faire ça. Ils ont dit, hey, mets-toi les talons dans les mains, puis dans les pieds.
C'est aussi suite à l'exploration avec des talons hauts que je faisais déjà avec mes pieds. Je me suis dit, hey, ben, pourquoi pas agrémenter le tout en mettant ça dans mes mains. Fait que ça donne un espèce d'aspect créature, vous allez voir. Sinon, le cube, c'est pas compliqué. Ben, j'ai gradué de l'école de cirque de Québec avec un numéro de cube contorsion, si on veut. Donc, c'est un genre de clin d'œil à la contorsionniste qui rentre dans la boîte, etc. Sauf que moi, je suis 5 pieds 11. Fait que je rentre dans une boîte, oui, mais une boîte un petit peu différente. Vous allez le voir tout à l'heure. La raison pour laquelle je vous le présente, c'est que c'est quand même intéressant. J'ai pas vraiment vu ça, mais en même temps, c'est que j'espère que je vais pouvoir éventuellement créer la chorégraphie que je voulais faire en sortant de l'école. Moi, j'avais envie de faire une thématique post-apocalyptique. Mais mon école de cirque n'était pas très branchée à cette idée-là, donc je suis sortie avec un beau numéro, tout beau, tout cute, mais sans vraiment d'histoire en arrière. Bon, là, le temps file. Alors, sur ce, je vous souhaite ben bon live. J'espère que ça va vous inspirer. J'espère que ça va vous faire du bien. En passant, je me suis réchauffée avant de faire ça, OK? Fait que faites pas ça à la maison. Allez chez vos amis. Quand le confinement est fini aussi.
Thank you.
J'ai commencé à avoir un peu chaud. Alors, c'était cela. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous venez de voir? Je serais curieuse de les savoir. Je vais regarder ici en me servant de mon pad. Ah, merci, c'est cool, je peux voir vos commentaires. Super. Donc, la première question, combien de minutes de réchauffement avez-vous besoin avant chaque session? Excellente question. Moi, personnellement, puis l'équipe de Signe Laval a pu le constater, ça me prend, juste pour le dos, mettons, être certaine que je suis en sécurité.
Moi, ça me prend 40 minutes. Mais ça, c'est excluant tout ce qui est la préparation physique de base avant. Donc, voilà. Ça veut dire, oui, j'ai vu la question. Mais ça peut dépendre vraiment, ça dépend de chaque corps. Chaque corps est fait de façon différente. Moi, j'ai besoin de plus de temps. Il y a des gens ils vont être corrects, qui au bout de 10 minutes vont déjà être chauds. Il y a des gens que il y en a que c'est naturel, vraiment 100%. Il y en a que c'est semi-naturel. Il y en a que c'est pas naturel du tout de faire de la flexibilité. Moi, en ce qui me concerne, je suis semi-naturel. Donc, j'ai dû quand même beaucoup travailler sur ma flexibilité avant d'atteindre ce niveau-là. Mais ouais, c'est ça. Donc, si par contre, on prend tout l'ensemble de la chose, je me donne une demi-heure d'échauffement juste pour mes jambes. Après ça, une demi-heure aussi pour mon dos. Fait que ça peut. Ben, pas de problème. Ça fait plaisir de répondre à vos questions. Donc, environ, c'est ça. Je dirais quand même une heure et quart pour être vraiment certaine que tout est correct parce que c'est plate quand on se blesse, là. Puis, ben là, en ce moment, je sais pas si vous avez vu, j'ai un peu chaud. Les conditions sont superbes pour faire ça. Donc, rester à la chaleur. C'est bien, faut faire gaffe dans le froid. Voilà, avez-vous d'autres questions? Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même beaucoup de temps. Ça dépend vraiment de chaque personne, comment leur corps est fait pour faire ça. Sinon, évidemment, je vais quand même en profiter pour faire un petit commentaire par rapport à ça. J'encourage vraiment les gens en ce moment parce que là, on est en confinement, etc. Prenez le temps de vous étirer. Ça fait vraiment du bien. Là, c'est ça, je fais des gros étirements, moi, de mon côté, là. Mais juste des petits étirements le matin, vous allez voir, ça va juste réveiller votre système, réactiver la circulation sanguine. Donc, je suis pro étirement à la maison. Ça a vraiment des bienfaits. C'est sûr que là. Oh, voilà, excusez, parce que j'ai une question qui a popé. Mais ouais, c'est ça. Donc, tu sais, faites ça gentiment, doucement, des étirements, ça fait jamais de tort à vos articulations. Alors, question, qu'est-ce qui t'a inspiré cette créature à quatre talons? Moi, ça me faisait penser à une araignée. Ben, ce qui est arrivé, c'est que j'avais une idée en tête de créer une créature avec une horloge dans la face. Puis, c'est un peu par rapport à le côté du bruit que les talons y font. Puis cette créature-là, c'est pour représenter en quelque sorte l'angoisse qu'on a par rapport au temps. L'angoisse qu'on a quand, mettons, on a peur d'être en retard, on a peur de manquer de temps, on a peur d'être. On a peur que ce soit trop tôt, etc. Fait que un peu cette espèce d'obsession-là par rapport au temps que j'ai depuis sans faire. J'avais 14 ans quand j'ai pensé à ce personnage-là. Puis là, je me disais, ça me tente quand même de créer un personnage qui est quand même monstrueux, fait qu'un genre d'horloge monstrueux, si on veut, fait que c'est cette part-là que je voulais exprimer, puis quelqu'un m'a dit, hey, tu devrais essayer de faire ça avec quatre talons hauts, non seulement comme pour le côté bibitte, mais en même temps pour le son que ça pouvait faire. Là, évidemment, j'ai pas pesé trop fort sur mon plancher, je suis restée sur mes tapis, mais dans un monde idéal, ce serait vraiment d'exploiter le bruit que les talons y font pendant que je fais de la contorsion, fait que c'est de là que vient l'idée des quatre talons hauts. J'espère pouvoir la pousser éventuellement. J'espère peut-être faire une demande de subvention pour ce projet-là. Je ne sais pas trop. Écoutez, en théorie, théoriquement, là, le live est censé être terminé. Par contre, je suis quand même prête à prendre encore un petit 2 minutes si jamais il y a des questions encore, là. Sinon, ben écoutez, pour conclure, je vais vous dire merci beaucoup si vous avez regardé. C'est vraiment cool. J'ose espérer par contre qu'on va pouvoir revenir le plus tôt possible sur les planches, qu'on va pouvoir vous rencontrer, vous autres, en vrai, parce qu'il n'y a rien de plus important pour les artistes qu'un public. Fait que je souhaite de tout mon cœur je vais pouvoir vous revoir. J'espère aussi de tout mon cœur, j'en profite pour vous laisser savoir mes souhaits par rapport à ce qui s'en vient. Je souhaite pouvoir présenter plus de spectacles dans ma ville natale, c'est-à-dire Laval. Donc, merci à Signé Laval de nous donner cette chance-là de pouvoir avoir une plateforme pour se présenter en tant qu'artiste de la ville. Parce que des fois, je vais être honnête, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué de se faire engager dans notre propre ville pour des événements. Fait que j'espère éventuellement pouvoir aller plus près des gens de mon coin.
Parfait. Donc, je. Oh, il y avait ce qui est. Excusez-moi. Avez-vous une dernière question? Avez-vous une dernière question? Ça va me faire plaisir. J'ai pas de problème. C'est ça. Fait que, merci beaucoup, Signé Laval. C'est des. Merci beaucoup à vous autres. Merci beaucoup, c'est ça, Signé Laval, de m'avoir donné le droit de montrer la binette sur Internet. puis, j'espère qu'on va pouvoir. Vous revoir chez le public. Peut-être qu'on va se croiser à un moment donné, je sais pas, à l'épicerie de mon coin, whatever. Voilà. Donc, je souhaite plus d'artistes locaux qui font surface. J'encourage aussi les artistes à, malgré tout, même si c'est le confinement, etc., continuer à rester actifs. Moi, je pense que le monde du spectacle va revenir en force à un moment donné. C'est sûr que c'est pas évident en ce moment, mais je suis quand même confiante qu'il va se passer quelque chose. Sinon, je comprends que c'est des périodes difficiles. Ça vient vraiment bousiller beaucoup de choses au niveau de nos planifications, etc. C'est une période vraiment spéciale. C'est grave ce qui se passe. Mais je vais juste vous dire, profitez. C'est pas évident, rester à la maison, etc. C'est pas évident. Mais il y a certaines choses que vous pouvez voir. Vous pouvez voir la. C'est sûr, c'est de la laideur partout parce que. Les gens meurent malheureusement, mais profitez de chaque petit instant où vous êtes capable de profiter de la vie. Puis si vous êtes un artiste, profitez-en pour créer aussi. Si vous avez quelque chose, il y avait des projets que vous aviez envie de faire, c'est sûr qu'on n'a pas de public, mais faites-les maintenant, c'est le moment si vous avez le temps. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, à la prochaine. Faites attention à vous autres, protégez-vous. Je sais pas trop quoi dire. J'espère que j'ai peut-être donné envie à des gens de faire de la conto, là, mais si c'est le cas, si vous êtes sérieux, restez prudent. Bon, là, je vous laisse. J'aimerais ça vous parler en vrai, mais là, j'ai plus le temps. OK. Bye bye. Merci beaucoup. À la prochaine. Puis merci encore à Signé Laval. Merci au public. Bye bye.